le but, c'est justement aussi c'est d'assurer un mélange. Donc, aux petites cantines, vous allez rencontrer des personnes que vous ne rencontrerez peut-être pas ailleurs. Et on a des personnes de tous milieux sociaux, des travailleurs, des non-travailleurs, des jeunes, des plus vieux, des Français, des pas Français. Enfin, le but, c'est vraiment ça, c'est un brassage de toutes les cultures. Et ça matche plutôt bien. Dès l'ouverture, on était complet très souvent. On rencontre quand même un beau succès. On sent qu'il y a une attente, que les gens ont besoin de nous, en fait. Ça leur fait du bien. Ils ont besoin de se sentir utiles, ils ont besoin de rencontrer du monde, ils ont besoin de bouger, de mettre un peu de piment dans leur quotidien. Donc, c'est quand même un beau succès. Et on espère en ouvrir d'autres dans le futur. Moi, je suis la maîtresse de maison. Donc, mon rôle, c'est de gérer les approvisionnements. Je récupère des dons alimentaires aussi, des dons de légumes. À partir de ça, j'écris un menu. Après, je veille à ce que la cuisine se passe bien, à ce que les gens se sentent bien aussi, à ce que les rencontres se fassent, et voilà. À ce que ça soit prêt à temps aussi quand on passe à table. J'ai aussi envie de sensibiliser les gens au fait de consommer moins de viande pour avoir un impact moins important sur l'environnement. Voilà, faire attention à tout ça, pour nous c'est important. On a beaucoup de dons de légumes bio et on achète aussi en permaculture. Après, il y a d'autres produits qui ne sont pas forcément bio, c'est comme à la maison, on fait notre mieux et on va essayer de s'améliorer au quotidien pour un monde meilleur, en cuisine aussi, dans l'assiette. Pour être adhérent aux petites cantines, c'est une carte qui est valable un an, qui est à prix libre, chacun met ce qu'il souhaite. Et grâce à cette carte, vous pouvez venir cuisiner avec nous, préparer le repas, faire des rencontres, apprendre plein de choses en cuisine, mettre votre grain de sel. Et ça vous permet aussi de déjeuner ou de dîner aux petites cantines avec un repas à prix libre. On ne veut pas que le prix soit un frein pour venir aux petites cantines, c'est pour ça qu'on a mis le prix libre. Le prix libre, ça permet à tous de venir. Nous, un repas, ça nous coûte 9 euros.